de diamètres différents, raccord à 90 degrés. Deuxième partie. Recherchez le développé de la tubulure supérieure. Pour réaliser le développé de la tubulure supérieure, il faut chercher au préalable l'intersection des deux tubulures. Si besoin, pensez à la vidéo sur tubulure de diamètre différent, raccord à 90 degrés. Partie 1, rechercher l'intersection de deux tubulures. Rappel, intersection des deux tubulures. Reporter la longueur développée du cylindre. Longueur développée égale pi fois diamètre. Divisez cette longueur développée en 16 parties égales. On divise la longueur développée en 16 parties car le cercle est aussi divisé en 16 parties. Besoin d'aide? Pensez à la vidéo sur comment diviser une droite en n parties égales. Résultat à obtenir. Numérotez les points de 1 à 16. Tracez les droites verticales passant par les points de 1 à 16. À partir de la vue de face, prolongez des droites horizontales passant par les points de 1 à 16. Notez les points d'intersection 1 à 16 sur la partie développée. Joindre les points d'intersection 1 à 16 sur la partie développée. Résultat du développé de la tubulure supérieure.